nos attentes pour le nouvel évêque, par rapport au nouvel évêque, c'est que un évêque, c'est important de l'avoir dans un diocèse. Parce que toutes les considérations ou bien les images ou bien les figures qui nous renvoient à un diocèse, on peut retenir, je crois, une. Un diocèse, c'est une famille. Comme une église paroissiale est une famille paroissiale. Un diocèse, c'est une famille diocésaine. Et dans une famille, nous connaissons et nous savons l'importance et la place qu'occupe le papa. Un évêque, c'est un papa dans un diocèse. Donc, il joue ce rôle. Il est le père de tout le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre première attente, c'est que véritablement, que nous vivions cette relation filiale et paternelle entre nous et notre évêque. Et pour que cela se fasse, nous avons le devoir de prier pour lui, pour que l'Esprit Saint l'assiste dans sa charge épiscopale. Nous avons le devoir aussi de nous convertir et de nous réconcilier entre nous-mêmes pour que l'évêque puisse trouver une famille soudée et unie. Une autre image à laquelle on peut renvoyer nos attentes, c'est tout simplement se dire que dans un diocèse, l'évêque aussi est un pasteur. Et la Bible même, nous pouvons trouver dans la Bible ces formes, ces images. Jésus se déclare comme le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis. Donc l'évêque aussi, c'est un pasteur, c'est-à-dire c'est un guide spirituel. C'est lui qui va nous apprendre à mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est appelé à nous aider à gérer ce qui est bien, tout ce qu'on peut considérer comme bien pour l'Église, donc c'est la fonction de gouvernement, mais aussi il est appelé à nous enseigner. À nous enseigner et à nous sanctifier à travers les sacrements, le baptême, la confirmation, ainsi de suite. Vous savez qu'il y a des sacrements, c'est l'évêque qui a le pouvoir, la faculté de l'administrer. Oui, comme l'ordination sacerdotale. Donc, si l'évêque est là, donc on ne va plus aller demander ce service auprès des autres évêques de la conférence épiscopale ou du Sénégal. Mais notre évêque va jouer son rôle de pasteur, de bon pasteur, à l'image de Jésus-Christ, en ordonnant ses candidats au sacerdoce, au diaconat, ainsi de suite. Donc, cela aussi, c'est une attente, mais une attente de joie. Une attente de paix et d'amour, une attente de satisfaction en ce sens que nous sommes appelés à vivre l'Évangile, nous sommes appelés à vivre les sacrements, nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu, nous sommes appelés à prier. La prière, comme dit le pape François, c'est la première mission du baptisé, de tout chrétien. Donc, nous sommes invités à prier les uns pour les autres. Une autre attente, c'est quand même que le sac réussisse. N'est-ce pas? Vraiment que la fête soit belle, que l'évêque puisse être ordonné, que cela vraiment soit pour lui une source de joie spirituelle, mais que cela aussi soit pour lui un bon départ en Jésus-Christ. C'est à partir de ce jour qu'il va de manière officielle prendre sa place et de pasteur, mais aussi prendre sa place de papa, c'est-à-dire de père spirituel du diocèse de Kaolack. Donc nous voudrions aussi, c'est notre souhait et c'est notre attente, que notre organisation réussisse, que la fête soit vraiment belle et que tout le monde soit satisfait et de l'accueil, de l'hébergement, de la restauration, ainsi de suite. En tout cas, c'est notre prière, c'est notre souhait, et nous vous invitons aussi de nous porter dans la prière, en pensant à nos attentes, que tout cela puisse se réaliser, non pas comme nous le voulons, mais comme Dieu le veut. Merci. Monseigneur Benjamin Ndiaye, notre ancien évêque,
C'est lui-même qui nous a ordonné une bonne partie des jeunes prêtres. C'est lui qui les a ordonnés. Donc, en tout cas, nous le remercions. Nous le remercions et pour cette ordination. À certains moments, quand on voudrait, quand on se partageait le travail pour le livrer de souvenirs, quelqu'un a pensé à lui. En guise de remerciement, lui demander de nous faire l'éditorial du livre. Donc, Monseigneur Benjamin a vécu avec nous presque 15 ans, il avait 14 ans, quelque sorte, 13-14 ans. Et c'est quelqu'un qui a marqué le diocèse de Kaolack. Il a marqué le diocèse de Kaolack à travers les trois fonctions dont je viens de parler, la fonction d'enseignement, la fonction de sanctification et de gouvernement. Donc nous lui disons merci et nous l'invitons aussi à la fête. J'aimerais saluer au nom de toutes les sœurs infirmières du pôle de Kaolack, notre ancien évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et je me rappelle, il a célébré mon engagement définitif le 20 décembre 2014 avant de quitter le diocèse. Et nous nous réjouissons vraiment de tout ce qu'il a eu à faire dans ce diocèse et nous lui assurons de nos prières fraternelles. Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre nouvel évêque, Monseigneur Martin Thiel, en lui souhaitant vraiment une mission féconde dans ce diocèse. Et nous lui assurons aussi toute notre collaboration, surtout au niveau de la santé. Lui dire aussi vraiment bienvenue dans l'Akdiam. C'est une grande joie pour notre diocèse. C'est l'accueil de Monseigneur Martin Thiel, notre nouvel évêque qui fait suite à Monseigneur Benjamin, qui voilà, nous a laissé orphelin pendant 4 ans, mais ce n'est pas de son fait, hein, il n'y a aucun reproche. Voilà, donc évidemment, nous sommes très très heureux, hein, après 3 ans et demi d'accueillir un nouvel évêque. Pour nous, les Carmes, c'est... On est rejoint particulièrement, d'abord parce que c'est l'Église et ça fait tellement longtemps qu'on prie qu'on remercie le Seigneur de nous avoir donné ce si beau cadeau. Ensuite, le Monseigneur Martin est un religieux, donc comme nous, et qu'ils ont les trois vœux et qui surtout vivons en communauté. Et donc pour nous, on voit que c'est une grande chance, hein, pour l'Église. D'avoir un évêque religieux qui permet de mettre cette grâce de la vie religieuse, qui est une des multiples belles grâces de l'Église. Et puis, pour finir, en plus, Monseigneur Martin est issu de la communauté des Pères du Saint-Sacrement, qui a aussi cette sensibilité, si vous voulez, à la prière silencieuse, puisque un des aspects de leur charisme, c'est l'adoration eucharistique. Et donc, on se réjouit beaucoup de cette présence, hein, d'un évêque qui pourra bien comprendre cette dimension contemplative. Mais bon, en général, il faut reconnaître que les évêques comprennent très bien, hein, notre appel contemplatif. Ici au Sénégal, on se sent vraiment bien compris. Voilà. Et puis, pour finir, d'une certaine manière, ça tourne un peu pour notre diocèse, hein, la page de Monseigneur Benjamin qui nous a tous beaucoup, beaucoup marqués et qui nous laisse... De grands et très beaux souvenirs. Je dirais que pour moi personnellement, particulièrement, puisque c'est lui qui m'a ordonné pendant mon premier séjour ici. Et donc, c'est sûr que c'est un peu mon père. Voilà, alors maintenant, prions pour notre nouvel évêque, pour que nous sachions l'accueillir comme le pasteur que le Seigneur nous donne. Et que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous. Amen. Je voudrais dire merci à Monseigneur Benjamin Ndiaye, ancien évêque du diocèse de Kaolack, aujourd'hui en mission à l'église de Dakar, pour tout ce qu'il a pu faire, hein, dans ce diocèse. Grand pasteur qu'il est, il a su poser les jalons pour que ce diocèse aille de l'avant. Et aujourd'hui, où nous sommes dans l'attente du nouvel évêque, en l'occurrence Monseigneur Martin Thiel, nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur que nous a donné selon son cœur, et que ce même Dieu
qui a voulu qu'il soit évêque de Kaolack puisse vraiment aider les fidèles chrétiens et chrétiennes de ce diocèse à chercher Dieu et savoir le trouver. Alors nous souhaitons un bon épiscopat et que son arrivée dans ce diocèse nous aide vraiment à aller de l'avant et à faire des saints selon aussi le cœur de Jésus-Christ. Loué soit Jésus à jamais. Donc le rôle des évêques, ça veut dire que donc Monseigneur Sardon a impulsé au niveau de Caritas Kaolack une dynamique qui a fait que Caritas Kaolack intervient dans tous les domaines. Et quand Monseigneur Sardon est parti aussi, Monseigneur Benjamin est venu consolider cette dynamique-là. Et aujourd'hui, j'espère que le nouvel évêque qui va arriver aussi va rentrer dans cette dynamique pour que Caritas Kaolack soit toujours au service des plus pauvres, des plus démunis. Alors, le seul mot vraiment que je voudrais dire à Monseigneur Benjamin Ndiaye, et certainement celui que beaucoup d'entre nous voudraient lui dire aujourd'hui, c'est un grand merci du fond du cœur. Il a été pour nous un pasteur attentionné, proche de ses fidèles et surtout soucieux de leur épanouissement spirituel. Je n'en veux pour preuve que la consolidation de la dévotion mariale qu'il a su influer vraiment par de nombreuses œuvres, parmi lesquelles il me plaît de citer le pôle spirituel de Jafat avec le sanctuaire de Cœur Mariama, les différentes communautés et les services qui y sont installés. Je voudrais également noter par la même occasion son approche pédagogique pour aider les chrétiens du diocèse à s'approprier les 5 attitudes de Marie que nous avons visitées et revisitées lors du congrès marial qu'il a organisé. Et ces 5 attitudes qui sont le Fiat, le Magnificat, le Conservabat, le Stabat et le Rabat. Alors, ce que nous attendons du nouvel évêque, je ne peux pas dire que nous voulons qu'il fasse la même chose que Mgr Benjamin Ndiaye, mais qu'il continue et consolide l'œuvre qu'il a commencée pour un bel épanouissement du diocèse, tout en faisant face quand même aux nouveaux défis de l'évangélisation de notre pays en général, mais surtout du Saloum en particulier. Nous n'avons pas de doute, en tout cas. Nous savons qu'il est un jeune pasteur dynamique et qu'il s'y lancera à cœur joie et que toute la communauté vraiment chrétienne du diocèse est prête à l'accompagner dans ce sens-là. Merci. Je ne peux pas oublier Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui est vraiment un ami des pères piaristes. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec nous ici à Sokon, dans cette paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, et dans son noviciat. Et il est venu plusieurs fois ici, dans notre communauté. Tout cela, c'est pour un amour paternel. Nous n'avons pas de paroles à lui adresser. Sinon, c'est dire un merci très profond. Il continue toujours, même s'il est aujourd'hui à Dakar, et Monseigneur Benjamin Ndiaye continue à être présent en esprit ici dans ce diocèse de Kaolack. Au nouveau pasteur, Monseigneur
Martin Pin. Je le souhaite, ou nous le souhaitons vraiment, la bienvenue dans ce diocèse. Que le Seigneur qui l'a choisi l'accompagne aussi dans son ministère. J'avais connu Monseigneur Martin Pin. Je l'avais connu ici à Dakar pendant qu'il était prêtre dans son service à la paroisse Sainte-Thérèse Saint-Pierre de Baobab, excusez-moi. Aussi, en tant que formateur, je l'avais connu. Et je sais que il sera le même. Il va se donner comme il s'est donné aussi dans sa congrégation. Tout le monde prie pour Monseigneur Martin Pin, afin que le Seigneur lui donne, lui accorde sa force, qu'il puisse guider le troupeau qu'il lui a confié. Merci. Vraiment, nous souhaitons la bienvenue à Monseigneur Martin Pin et nous espérons sa venue, son encouragement, et qu'il puisse voir comment les plus petits du troupeau sont vraiment nos brebis qui nous donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Bienvenue, Monseigneur Martin. Nous vous attendons au centre. Nous rejoignons les enfants qui étaient en sortie à Dangan. Ils sont allés sur le pont, aller-retour. Et ils ont trouvé donc notre reporter qui a rejoint les enfants et il vous souhaite, Monseigneur, la bienvenue. On y va, les enfants ? Bienvenue à Monseigneur Martin. Bounturiaka vous accueille à bras ouverts. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. Bienvenue, Monseigneur Martin. Bounturiaka vous accueille à bras ouverts. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. Voilà, donc Monseigneur Martin, nous vous attendons tous à Sokon, au centre Bountuyaka, à voir tous les enfants du centre. Parce que là, il n'y a que la moitié qui est là, parce qu'aujourd'hui, c'est jour férié. Merci, nous vous attendons et voulons partager notre joie d'être ensemble.